Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au départ, ce communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale qu'une aile dissidente du CCMSR avait le 26 août 2022 manifesté sa volonté auprès des forces gouvernementales basées à la frontière libyenne de rejoindre la grande famille tchadienne. Malheureusement, cette aile dissidente a abusé des bonnes dispositions des forces gouvernementales pour intercepter deux citernes d'eau de forces de défense et de sécurité en mission de ravitaillement. Nonobstant cet acte de banditisme, le Conseil militaire de transition maintient sa politique des mains envers tous les politiques militaires. Fait en Djamena le 27 août 2022 pour l'état-major général des armées, le porte-parole général Azem Bernandoua Aguna. Justement, par rapport à cet état de fait, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abdourahmane Koulamallah, dans une communication faite en plein travaux du dialogue national inclusif et souverain, demande tout accrochage avec une quelconque colonne rebelle telle que relayée par certains médias étrangers. Suivez plutôt le porte-parole du gouvernement. Alors, c'est une communication du gouvernement. J'ai été saisi par l'agence France Presse faisant état d'incursions rebelles au niveau du Tibesti. Avant que des fausses informations ne s'ébruitent, je voudrais vous donner la réalité des faits. Ça fait plus d'une semaine qu'il y a eu une incursion d'une vingtaine de véhicules rebelles dans le pays, et qui n'ont donné lieu à aucun accrochage avec les forces gouvernementales. Le président du Conseil militaire de transition a tenu à ce qu'il n'y ait aucun accrochage qui perturbe vos travaux. Et donc, le gouvernement a décidé de donner des instructions aux OPS de ne pas faire d'incursion. Nous avons surveillé ces colonnes par l'avion. Ces colonnes avaient dans un premier temps intercepté deux véhicules qui sont des véhicules porteurs d'eau, des citernes d'eau qu'ils ont pris. On n'a pas voulu faire des accrochages, on les a accompagnés et ils sont sortis du territoire tchadien depuis plusieurs jours. Donc pour éviter les fausses informations, le gouvernement a voulu être transparent avec vous et pour vous dire que la situation est totalement calme, il n'y a eu aucun accrochage sur le territoire tchadien et les forces de défense et de sécurité sont mobilisés pour qu'il n'y ait aucune perturbation sur la sécurité des Tchadiens. Et croyez-moi, les choses sont très calmes au niveau du Tibesti. Donc c'est une façon aussi de répondre aux organes de presse internationale qui parlent d'accrochage, de mort, ce qui est totalement, mais alors totalement faux. Je vous remercie. Les travaux du dialogue national inclusif se poursuivent au palais du 15 janvier. La journée d'aujourd'hui est consacrée à la mise en place du présidium. Les participants ont fait des propositions et par la suite, les travaux sont suspendus pour reprendre demain à 15h. Suivant la logique du consensus, mandat a été donné au CODNI pour consulter les différentes corporations et proposer le présidium pour l'adoption. Ali Mohamed Tabelou. Palais du 15 janvier. 11h du matin. Ni la pluie, ni le week-end ne bloquent les travaux du dialogue national inclusif. Aujourd'hui, c'est la phase la plus importante, la mise en place du présidium. La salle affiche complet et la parole est donnée aux participants pour faire des propositions. Si nous optons toujours pour le consensus, il va falloir que vous laissiez le temps à chaque corporation, vous suspendez la séance, qu'on se consulte entre corporations et nous revenions après avec une décision que nous pourrions tous se mettre d'accord. Je souhaiterais également que le CONI, qui a bâti le travail depuis un an et qui connaît toutes les forces vives de ce pays, peut aussi faire des propositions, une démarche que peut-être la salle peut accepter ou rejeter. Le présidium qu'on mettra en place, j'ai préparé un petit document. C'est qu'on va mettre le président, il faut donner aux sages, comme en 93, et ensuite aux religieux. J'ai observé depuis le premier jour
que chacun est venu à ce dialogue-là avec des idées préconçues. D'aucuns viennent pour défendre un bilan, soit se défendre soi-même. D'autres viennent avec l'idée de prendre une revanche. Mais si tel est le cas, je pense que nous sommes en train de passer tout droit à côté de ce que moi j'appellerais l'essentiel de ce dialogue. Je propose que le poste de président, de premier vice-président, de rapporteur général adjoint, soit occupé par des personnalités indépendantes et consensuelles qu'on aura identifiées et qui correspondraient aux critères qui ont été définis. Voilà, le débat s'accentue. Les propositions fusent de partout. Chacun y va de sa manière. 3 heures d'échange et maintenant, place à la synthèse avant la pause. L'essentiel que nous retenons, c'est que toutes les composantes soient représentées au sein du Présidium. Pour y parvenir, nous allons mener donc des consultations auprès donc de ces composantes pour que nous puissions à terme dégager une liste qui va être donc proposée à l'adoption. Les travaux vont reprendre ce dimanche à 15h avec une proposition du Présidium suivant la logique du consensus. Et si cela est adopté, ce sera une bonne étape franchie qui va conduire au débat de fond. Le CONI porte à la connaissance de participants et observateurs au dialogue national inclusif et souverain que la reprise des travaux est décalée pour le dimanche 28 août 2022 à 15h. Par rapport à l'adoption du règlement intérieur qui va aboutir à la mise en place d'un présidium, quelques participants ont livré leur impression au micro de notre reporter Varelach. Les tiraillements étaient normaux, mais au final, je pense que la raison a prévalu. Il y avait ceux qui étaient pour un scrutin à main levée, d'autres qui étaient pour le bulletin secret. Au final, on a tranché par la raison pour le consensus. Et le consensus, ça cadre bien avec ce qui nous réunit ici, parce que c'est l'esprit de la réconciliation qui doit primer. C'est un exercice qui est un peu difficile. Bon, on n'est pas habitué vraiment à ce genre d'exercice. Et vraiment, bon, après tout, quand même, on a trouvé quand même une solution. Et quand même, on a adopté le règlement par consensus. Et c'est le présidium qui est habilité quand même vraiment à préciser les modes de vote, que ce soit à main levée ou bien à bulletin secret. Presque depuis 3 jours, nous sommes en train de battre ce règlement intérieur. On a achevé hier vers 20h. On a déjà adopté le règlement intérieur, Inch'Allah. Les Tchadiens ont trop de susceptibilités dans la tête. Sinon, l'adoption du règlement intérieur ne posait aucun problème. Mais tellement que notre pays a connu des problèmes, chacun pense que l'autre est en train de le duper. Sinon, à mon sens, ça ne devrait même pas poser de problème. Et maintenant que le règlement intérieur est adopté, ça va nous permettre d'avancer et aller vers le Présidium, après quoi nous allons rentrer dans le vif du sujet. Les fils et les filles du Tchad se sont quand même mis d'accord pour adopter le règlement intérieur. Et j'espère aussi qu'est-ce que nous allons faire pour la suite de nos travaux. Ce qui a un peu soulevé des inquiétudes dans la salle, c'était l'article 37 par rapport au vote. Le vote, il y a certains qui ont voulu que ça soit à main levée, d'autres que ça soit à bulletin secret. Mais toutefois, à la dernière minute, tout le monde s'est entendu pour donner l'occasion au président du présidium de décider s'il faut aller par vote consensuel ou par vote à bulletin fermé. On a adopté par consensus les règlements intérieurs. Parce que ce qui a fait beaucoup couler d'encre, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne la mise en place du présidium et aussi l'article 14, donc le règlement intérieur a été accepté par tout le monde. L'adoption du règlement intérieur du dialogue national inclusif est souvent inspirée à la rédaction. Kalenga Voudna revient avec plus de détails sur le contenu du dit document. Règlement plutôt. Suivez.
Le présent règlement intérieur adopté par les participants régit les modalités d'organisation, de fonctionnement et le déroulement du dialogue national inclusif et souverain. Conscient des enjeux du pays, les participants l'ont approuvé après quelques jours d'intenses débats contradictoires sur certains articles, notamment l'article 14 qui porte sur la désignation des membres du présidium. Composé de 15 pages, dont 50 articles, ce règlement intérieur comporte 4 titres. Il est subdivisé en 15 chapitres. L'adoption de ce document par les participants marque un grand pas dans l'avancement des travaux du dialogue national inclusif et souverain, car la mise en place du présidium est conditionnée par l'adoption de ce document, lequel présidium aura pour mission de faire respecter l'audit règlement intérieur. Par la validation de ce règlement intérieur, les Tchadiens ont prouvé une fois de plus aux yeux du monde qu'ils s'accordent pour la refondation de leur nation. Le règlement intérieur du dialogue national inclusif et souverain étant déjà adopté, il revient aux participants à ces assises nationales d'être sérieux afin de permettre de relancer le développement socio-économique du pays. À Ati, dans la province du Bata, les habitants suivent le déroulement du dialogue national inclusif et souverain à travers la radio et autres canaux de communication. L'ambiance est captée par notre correspondant Mohamed Tajprin. Allô. Dialogue national inclusif et souverain. Les citoyens de la ville d'Ati sont au cœur de l'événement. Ils suivent instant par instant les déroulements des travaux. Leurs moyens sont divers, dont le plus important est la radiodiffusion nationale à laquelle ils sont reliés par la station de l'ONAMA et la télévision nationale qui diffuse en direct ainsi que via l'internet, notamment Facebook. On est en train de suivre à la radio et même sur le net. Avec l'ONAMA Life. Nous espérons que ce dialogue, les problèmes du Tchad sera discuté avec foi et abnégation. Une étape très très importante pour la construction de notre pays, le Tchad. Les administrateurs à tous les niveaux, dans les bureaux ou les maisons suivent de près toutes les interventions. Mon souhait, c'est que ce dialogue finisse par des résolutions très pertinentes. Pour sa part, le gouverneur du Bata, Jimta Benderlon, espère que ses concitoyens ne manqueront pas l'occasion de suivre cet événement historique. Grâce à l'ONAMA également, vous devez suivre, et nous appelons aussi à toute la population de descendre au CLAC pour suivre également, parce qu'il y a un dispositif qui est là, un écran géant. De nombreux citoyens de la ville d'Ati qu'on a eu à interviewer sont pleins d'espoir et d'optimisme quant à ce dialogue. Ils espèrent que les débats se dérouleront en toute sincérité et patriotisme, loin des querelles intestines. Toujours dans ce processus, le gouverneur de la province du Lac, Adoum Mustapha Brahimi, a procédé ce matin à Bol à la clôture de la semaine spéciale de prière pour la paix, la sécurité et la stabilité au Tchad. Mohamed Saleh Omar. Gloire à Dieu le Tout-Puissant et le Miséricordieux pour qu'il répande sa quiétude sur le pays et particulièrement la province du Lac. C'est l'objectif de cette semaine dite spéciale de prière pour la paix, la sécurité et la stabilité soutenue par le gouverneur Adoum Mustapha Brahimi en commun accord avec le Conseil supérieur des affaires islamiques, section du Lac. L'initiative, c'est que c'est pour appuyer le PSMT. Qui a pris l'initiative de regrouper des hommes politiques exilés, aussi des politico-militaires qui sont hors du Tchad. Alors cette initiative, nous ne pouvons pas quand même rester les bras croisés et les regarder, mais il faut, par la prière, appuyer son initiative. À cette occasion, les oulémas ont aussi prié Dieu pour que les travaux du dialogue national inclusif et souverain puissent bien se passer au bénéfice de tous les enfants du Tchad. Durant une semaine, les hommes de Dieu ont lu 111 fois les Saint Coran afin que Dieu puisse débarrasser le pays de tous les maux qui minent son épanouissement. Autre volet de l'actualité, face
aux inondations. Le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, met les bouchées doubles pour éviter aux habitants de la cité capitale d'éventuels cas d'inondations. Aujourd'hui, le premier magistrat de la ville a fait une descente dans les différents points mobiles de drainage des eaux et des stations de pompage dans les 10 arrondissements de la capitale. Objectif, s'imprégner des réalités et faire le suivi des activités du comité technique de lutte contre les inondations. Togia Nouboy Garcetiemi. Sous une forte pluie diluvienne, le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, conscient de la souffrance que subit la population en cette période de saison des pluies, est descendu sur le terrain. Il est accompagné de son équipe technique. L'objectif, s'imprégner des réalités, faire le suivi des activités entreprises par le comité technique de lutte contre les inondations dans la ville de N'Djamena en vue de prendre des mesures qui s'imposent. Les différents points mobiles de drainage des eaux où sont installées les motopompes de 8 pouces, les balles de sac de jute et quelques matériels ont été visités. Juste après, le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, s'est rendu à la station de pompage de Diguel et de Lamadi. Les deux stations de pompage ont chacune des groupes électrogènes à forte capacité permettant d'alimenter les tableaux électriques des stations de drainage vers la sortie de N'Djamena. Pour le premier responsable de la ville de N'Djamena, les défis liés à l'inondation sont en détail. Après avoir mis ce sous-comité technique, il est de notre devoir en tant que président du comité technique ainsi que les autres membres d'avoir un droit de regard sur leur activité. En dehors des stations de pompage avec des grosses installations, nous avons renforcé avec des motopompes certains endroits. Et d'une manière générale, nous disons que vraiment le sous-comité technique, en si peu de temps, ont réalisé un travail remarquable. Pour Ali Haroun, ces efforts vont se poursuivre. Nous devrons également, avec toutes les autorités municipales, que ce soit des arrondissements, tout comme les techniciens, être à leur côté pour que nos concitoyens ne puissent pas beaucoup souffrir. Le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, s'est dit confiant et fonde l'espoir sur le comité technique de lutte contre les inondations afin de mener à bien la mission qui lui est confié. La mairie centrale a lancé dans le 3e arrondissement et le 6e une opération de pulvérisation de la ville de N'Djamena. Le but est de lutter contre la prolifération des moustiques qui sont les principales causes du paludisme. Guillaume Benguéry. Les grosses pluies enregistrées ces derniers temps dans la capitale ont impacté négativement sur la vie de la population. Conséquence, les inondations. Pour inverser la donne, la mairie centrale a mis en place un comité technique de lutte contre ces phénomènes et parmi ses activités figure cette action de démoustication de la ville de N'Djamena. C'est dans cette optique que cette opération a été officiellement lancée avec pour cible le quartier Ardedjumbal dans la commune du 3e arrondissement et Paris-Congo dans le 6e. Objectif, lutter contre la prolifération des moustiques qui sont les principales causes de transmission du paludisme et bien d'autres maladies. Quand il y a les inondations, il y a la prolifération des moustiques. Et c'est vraiment pour lutter contre la prolifération des moustiques, pour également lutter contre les maladies. Comparativement aux années précédentes, des innovations sont notifiées cette année, renseigne le directeur de l'assainissement, de l'environnement et de la santé de la mairie de N'Djamena. Cette année, il y a une innovation qui va se faire. Il y a une pulvérisation aérienne qui va se faire également pour accompagner cette pulvérisation motorisée. Le maire de la ville de N'Djamena a fait un plaidoyer auprès des plus hautes autorités qui ont accepté de mettre les moyens qu'il faut pour que cette pulvérisation aérienne puisse se faire. Cette opération qui durera un mois s'étendra dans les autres communes d'arrondissement. Dans la province du Wada, quelques officiers et sous-officiers ont été élevés au grade de colonel ce matin à Tré. C'est le préfet du département d'Assunga, Ali Mohamed Chebey, qui a présidé la cérémonie. Djasrabi Sylvain. 13 sous-officiers ou officiers de la zone d'opération au poste d'Adré sont désormais élevés au rang des officiers supérieurs.
Chacun d'entre eux a obtenu un galon du colonel, lieutenant-colonel, du sous-lieutenant et lieutenant plein. Ces hommes entrés ont été distingués à ces grades des officiers supérieurs pour le service rendu à la nation en défendant l'intégrité territoriale. Le préfet du département d'Assunga, Ali Mohamed Sebey, a dans son discours salué les bravoures et les mérites de ces hommes de terrain avant de les encourager à redoubler plus d'efforts pour le maintien de l'intégrité territoriale, la paix et la sécurité au pays. Le préfet a par ailleurs remercié le président du Conseil militaire de transition, chef suprême des armées, le général Mohamed Idriss Déby Itno, d'avoir élevé ses officiers et sous-officiers au rang des officiers supérieurs. Ali Mohamed Sebey et son staff ont ensuite rendu visite au chantier de compagnie de la gendarmerie d'Adré en construction dont les travaux ont démarré depuis le mois de juin dernier. L'objectif est de constater l'évolution des travaux. Après avoir demandé quelques explications liées aux problèmes qui retardent les travaux, le préfet a ordonné les responsables en charge du chantier à respecter le délai d'exécution. À l'occasion de la Journée internationale de la paix, le coordonnateur de CAPHR-UN, une aumônerie chrétienne musulmane, général Toko Tesei, a animé un point de presse. Il exprime la volonté de son organisation soucieuse de la paix et salue les efforts de plus haute autorité dans ce sens. Des conflits. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition pour ses efforts afin de maintenir la paix, la solidarité et aussi unissant les filles et les fils du Tchad. Cette journée internationale de la paix, très mémorable et surtout demeure importante pour notre pays, le Tchad. Traverse des moments difficiles. Il faut qu'ensemble, chrétiens, musulmans et athées de toutes les provinces, puissions ensemble œuvrer pour la préservation de la paix, seul gage d'un développement durable et harmonieux. Le gouverneur de la province de la Tandilé, Doudlenga Miyayo, a présidé ce matin la réunion mensuelle sur la santé, couplée à celle du comité provincial de nutrition et d'alimentation. Éric Kedi. Le gouverneur de la province de la Tandilé, Doudlenga Miyayo, s'est réjoui de la tenue de ses assises avant d'inviter l'assistance à une participation massive. Selon le délégué provincial intérimaire de la santé publique et de la solidarité nationale de la Tandilé, Dr Adibera Jean-Baptiste, cette traditionnelle réunion mensuelle, tenue en présence de la première autorité de la province et des partenaires techniques et financiers, a permis de faire un tour d'horizon de la situation épidémiologique de l'heure et du renforcement des dispositifs présents de lutte contre les maladies. Pour lui, le paludisme est la première cause de mortalité, de morbidité et la malnutrition. Le cas de morsure des serpents n'a pas été également oublié par Dr Adibera Jean-Baptiste. Après toutes ces présentations, des questions d'éclaircissement et des contributions ont été également posées. Après tour de table, le gouverneur de la province de la Tandilé, Doudlenga Miyayo, a félicité l'équipe cadre de la délégation avant d'inviter ces derniers à faire encore plus pour mettre fin à tous ces maux. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, vole au secours des déplacés de la sous-préfecture de Léo dans la province du Maïkibé suite au conflit intercommunautaire et ont opposé deux communautés sœurs. Borobino. Ce sont au total 250 kits de vivres composés des sacs de 50 kg de riz, des bidons d'huile et des sacs de 25 kg de sucre. Ces gestes louables soulagera un tant soit peu les victimes du conflit intercommunautaire installé dans sa circonscription administrative, souligne le secrétaire général du département de Mayo-Boné, Abbas Mohamed Maguine. Remettant les kits alimentaires aux vulnérables, le directeur général de la Solidarité nationale, Kaudé Israël, a, au nom de son ministre, présenté ses condoléances aux familles endeuillées avant d'encourager les déplacés à une cohabitation pacifique durable. Car, dit-il, il ne peut y avoir éclosion économique dans notre pays sans agriculture ni élevage. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de manifester leur gratitude
au ministère de la Santé publique pour cet acte humanitaire. Clôture de l'atelier de formation des auxiliaires de l'élevage ce matin à Koumoura, dans la province du Mandoul. Objectif, contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Djitangé Félix. Les 20 auxiliaires de l'élevage venus des deux logones du Moïchari du Mandoul ont pendant 8 jours appris les référentiels de compétences des auxiliaires de l'élevage en termes de fonctions techniques, d'alerte, de sensibilisation des communautés et de gestion des stocks de médicaments vétérinaires. Formation animée par Amat Alhaj Hassan, représentant le directeur de l'organisation des professionnels de l'élevage et de la sécurisation du système pastoral. Les participants ont à cet effet formulé des motions de remerciement et de recommandation au gouvernement et surtout à son partenaire financier, la Banque mondiale, d'intensifier de telles formations pour un impact transformationnel dans le secteur de l'élevage. À la clôture, la déléguée provinciale de l'élevage du Mandoun, Madame Isaba Sophie, a précisé que l'objectif est de vaincre la famine et combattre sérieusement l'insécurité alimentaire à l'horizon 2025-2030 par une augmentation de la productivité tout en conservant les ressources naturelles de base. L'enseignement fondamental de la langue arabe au Tchad, c'est le titre de l'ouvrage écrit par le professeur Abdallah Barit Saleh. L'auteur a procédé hier aux dédicaces de son livre, c'était à la Bibliothèque nationale. Mohamed Haroun Idriss Sandel. L'enseignement fondamental de la langue arabe au Tchad, c'est le titre du livre écrit par le professeur Abdallah Saleh Barit. Selon l'auteur, ce livre intervient dans un contexte où l'on constate la prolifération de la langue arabe et son développement au niveau politique, administratif et scolaire et universitaire au Tchad au cours des 3 dernières décennies. L'ouvrage de 300 pages est divisé en 8 chapitres. Dans le premier chapitre, l'auteur parle du début de l'éducation formelle française au Tchad. Le second chapitre présente la situation de l'éducation formelle dans le monde arabe. Dans les autres chapitres, le professeur Abdallah Saleh Barit a énuméré les certificats et diplômes accrédités dans le système éducatif tchadien. Il a également présenté la formation universitaire au Tchad et mis l'accent sur le rôle des autorités officielles dans le soutien et le développement de l'éducation formelle arabe au Tchad. L'auteur a aussi souligné le rôle des pays arabes dans le développement de l'éducation formelle arabe au Tchad et a relaté les obstacles qui limitent le développement de l'éducation formelle arabe au Tchad. Le professeur Abdallah Barit Saleh a occupé plusieurs postes au sein des universités. Il a été notamment le président de l'Université Malik Faisal de Yamena de 2014 à 2020. Ainsi donc, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.